Les enseignements et les recherches en sciences humaines et sociales de l'UTBM sont abrités au sein du pôle humanité. C'est pourquoi ce dernier accueille naturellement les parcours A2I et ETI du Master Management. Celui-ci vise en effet à apporter aux diplômés ayant déjà un fort bagage scientifique et technique des compétences complémentaires en gestion et management, en économie internationale, en droit, en éthique ou encore en langues étrangères. Les parcours A2I et ETI du Master Management sont spécifiques car ils sont conçus pour apporter une véritable double compétence aux étudiants, c'est-à-dire approfondir leurs compétences d'ingénieur et acquérir des compétences en sciences humaines et sociales importantes pour mener à bien un projet à fort contenu technologique, international ou entrepreneurial. Les valeurs ajoutées sont notamment l'ouverture d'esprit, la diversification dans ses activités et l'international. Déjà, une version plus transversale de l'ingénieur au sein de l'entreprise, c'est-à-dire que ça ajoute à notre background technique des compétences plus globales, on va dire, nous permet de comprendre davantage les interactions entre les différents services et le rôle que nous, enfin en tant qu'ingénieurs, nous pouvons avoir dans l'entreprise. Avoir un management de l'humain, c'est-à-dire qu'on étudie vraiment le management, on n'est pas uniquement orienté sur des machines, sur des process, sur des produits, mais beaucoup sur l'humain et sa place dans l'entreprise. Ça m'a permis de comprendre quelles étaient les stratégies des entreprises pour survivre dans un monde concurrentiel au niveau international. Et maintenant, j'ai une vision plus globale du secteur industriel. Pour moi, la principale valeur ajoutée du Master ETI quand on est ingénieur et porteur d'un projet entrepreneurial, qu'il soit à l'étape d'idée ou bien plus mature, est l'approfondissement de son plan d'affaires, le tout en acquérant des compétences transverses de la comptabilité et de la gestion du droit. Le Master m'a permis de renforcer mes connaissances sur les thématiques comme l'innovation et l'entrepreneuriat avec une touche de travail en équipe pluridisciplinaire. Mieux structurer vos projets futurs, que ce soit en autonomie, comme la création d'une entreprise, ou soit manager un projet d'innovation dans une entreprise. Savoir comprendre le client, gérer des projets correctement, manager une équipe et se rendre compte des difficultés de chacun et mettre en œuvre et résoudre les problèmes qu'on rencontre. Ingénieur-manager, interdisciplinarité, interculturalité, convivialité. Action, manager, stratégie, polyvalence. La transversalité, l'opportunité, l'approfondissement et enfin le défi. Partage, défi, culture et diversité. Interculturalité, esprit d'équipe, famille et professionnel. Entreprendre, manager, créer et surtout persévérer. Ingénieur, acteur, ça me paraît important. Multiculturalité, projet et avenir. L'international, l'ouverture d'esprit, la diversification et la compréhension du monde. Un regard différent sur le monde. Voilà.